Elles m'ont coûté plus... Oh merde, elles m'ont coûté plus cher qu'elles m'ont rapporté. Ouais, bon. Elles sont pas d'extrêmement bonne qualité, mes filles, là, mais bon. Du coup, ça, il me reste combien de temps? 9 semaines, donc on va pas repartir là-dessus. Ouais, j'ai 82 millions. Du coup, je suis en train de me dire peut-être qu'on va racheter, on va racheter des filiales. Voilà, parce que. Ok, alors eux, ils sont au fond du gouffre et ils refusent de se racheter. 24 millions quand même, Blue Ocean. Ouais, vas-y. Sérieusement? Élite. Et Techsoft. Coûte trop cher. Par contre, on peut aussi les améliorer. Histoire de les améliorer un poil, quoi, parce que voilà. Après, on va essayer qu'ils sortent des jeux. Des jeux A. Ok. Là, on va peut-être pas. Prochain coup qu'on aura assez de pognon, on rachètera peut-être pas, mais on améliorera un petit peu. On améliorera un petit peu. Du coup, on va devoir attendre que la hype, les 2 semaines, là, se. D'accord, j'avais pas vu ça. Ok. Alors, remaster. Ouais, des remasters. Bon. Et bon. Alors, RPG, on a le thème. Hérisson, je suis pas sûr qu'on ait le thème là par contre. Mais par contre, il va falloir faire le moteur de RPG. On est en avril, du coup je peux relancer des grands classiques, je peux relancer voilà. Alors Railrun PC, c'est dans 32 semaines. Donc ce sera pas tout de suite. Et les Gauthier Edition,
Doomslack Gotti. Ah, j'ai déjà lancé le budget machin, donc c'est mort. Ok. Ok. Donc ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y en a besoin? Skrull Run, mais il est en train de mourir. Est-ce que ça vaut bien vraiment le coup? Vaut mieux peut-être plutôt F Soccer, hein. Ouais, Skrull Run, c'est. Ah oui, mais c'est mon jeu d'arcade. C'est pas grave, je vais développer un jeu d'arcade après. Parce que mon Skrull Run là, c'est. Il est en train de mourir, il est en train de. C'est bientôt fini. Voilà, c'est fini. Donc mon atelier, ben le prochain jeu, ce sera celui-là. Donc ce sera un RPG. Un RPG sur quoi? Sur. Ça n'a aucun sens, un RPG sur. Mais bon. Du coup, Hérisson, est-ce que j'ai le thème? Apparemment, j'ai le thème parce qu'il est plus recherché. Du coup, est-ce que je peux lancer une recherche sur les fonctions de jeu? Donc, on va faire des fonctionnalités en plus. Et on va développer donc notre RPG. Je hais ce jeu. Parce qu'il n'y a pas d'accent. Annule. Annule, annule, annule la tâche. Parce que le hais accent aigu, quand j'ai mis un E, il n'a pas compris. C'est pas. C'est un jeu d'arcade. Jeu de rôle, aventure, hérisson. Animé. Allez. Évidemment, hein. Alors Sonic, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est une parodie de Sonic. C'est assez connu sur le net. Cool. Et j'ai même un nouveau système d'arcade. Bon, j'ai acheté tous les kits, hein, on s'en fiche, mais j'ai. Voilà. On a même un nouveau développement. Bah oui, fuck it. Fais ça pour le pognon. Pour l'amour du pognon! Ah, F-Soccer, terminé. Ok. Donc évidemment, on va faire Sanic, hein.
Avec un cop, parce qu'en plus, quand il faut se renchérir sur les délires, je suis le premier. Allez! Je suis con, moi. Attendez. Mais en fait... Non, c'est pas là. Je suis sûr que je peux... Continue le développement, il y a trop de bugs. C'est ça. C'est ça les offres d'édition, les 5 jeux que j'ai. On peut tenter ça. Ça me coûte rien. Et ça peut rapporter. Si je prends des bons jeux, ça peut rapporter. Attendez, je me souviens plus de ça. C'est ça, c'est ce que ça me coûte. Ouais, vas-y, allez. Hop, faire une offre. À 33. Allez, vas-y, valide. Ok. Donc, je leur envoie 33%. Et ça, c'est comme si c'était moi qui vendais le jeu. Hein. Donc voilà, donc je le vends. Hop, c'est parti. C'est un jeu à 67%. Le truc, c'est que là, je peux tomber dans les pires jeux de l'année, là. Parce que généralement, c'est là-dedans que se trouvent les pires jeux de l'année. Donc, j'étais où? J'étais dans là et... Publication d'offres, c'est ça. Hop. Non mais oh, les frérots. Du coup, ça s'appelle OK machin, hop. Vas-y, qu'est-ce que j'ai d'autre en publication d'offres? Celui-là, c'est sûr, c'est de la merde. Celui-là, je suis sûr, c'est de la merde. Celui-là, il a ses chances, en vrai. Celui-là, en vrai, il a ses chances. Je vais juste baisser un tout petit peu. Oh purée! Oh, ce navet, c'est un jeu de cul! Ça a l'air d'être un jeu porn. Paradroïde. Ça a l'air d'être un truc de cul en vrai. Vas-y, let's go.
Vas-y, on assume. On assume, on assume. Du coup, je vais faire d'autres salles de production. Ah, bordel, je savais que c'était le jeu de trou, là. Ah, production, allez. Ah là là. Attends, en offre d'édition, on nous envoie un jeu porno, quoi. Terrible. Du coup, mes hérissons RPG, là, faut peut-être quand même que je m'en occupe. Ouais, allez, on va le publier maintenant. Et l'hype, elle arrivera dans 2 mois. Donc on va le vendre maintenant. Mince. Bah attendez, oui, il en est où mon Doom 5 là? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Putain, lui par contre, il va. De toute façon, c'est parce qu'il me faut la hype dans 2 mois. Hein, donc, une fois que j'aurai la hype, ça ira mieux. Vas-y, hop. On va laisser un petit peu couler encore. Je me suis trompé de salle. Je me suis trompé de salle, autant pour moi. Je crois que j'ai décalé d'un. Non, c'est bon. Ok. Tu sais que ça va se vendre en plus. Bon, allez, on va vendre Sonic tout de suite. Ah oui, puis en plus c'est l'arcade. C'est le jeu d'arcade. Du coup, let's go. En vrai, on s'en fiche. Oui, il s'est mis en Piggy 16 quand même parce que je sais pas s'il a découvert un. Enfin, s'il a compris un truc dans. Si le NIK il a bugué dessus. Du coup. Est-ce qu'on partirait pas déjà sur le Doom 6? Alors, pas tout de suite. Il faut d'abord que je fasse mes rapports. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Trop tard. Trop tard, faut que je fasse le jeu maintenant. Mais de toute façon, je pense qu'il a eu le temps de faire le. Bon. Du coup, Doom Like 6. Tout de suite. Faut au moins qu'il soit en dev pour pouvoir faire la hype dessus.
Vas-y, on va partir un petit peu à l'opposé. Et on est en 87. On est en 87. Ok, donc lui il est à la bourre du coup, mais c'est pas grave. Ah dommage, il manquait pas grand chose, hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. C'est pas grave, de toute façon ça change pas grand chose. Au niveau de mon bureau de recherche, ouais. Hop, il y a ça. Ok. Eh ben nickel. Nickel, presque nickel. J'ai un jeu en trop. Du coup, va falloir abandonner une idée. Bon, déjà, Doom 6, c'est sûr. Quoi qu'en plus. Non, pas Doom 6. On va. Du coup, ça nique, ça c'est sûr. Mais Doom 6, on va changer. On va changer, on va mettre. Est-ce que ça vaut le coup? Lequel il faudrait absolument rentabiliser? Il faudrait rentabiliser absolument Hockey Slam. Epic Quest. Et apparemment, Paradroid, c'est. Il se trappe. Allez, non, c'est le pire jeu de l'année. Je suis sûr 100% c'est le pire jeu de l'année. Enfin, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Il y aura peut-être pire. On verra ça dans 3 mois. Ah, cet enfer. Cet enfer, cet enfer. On n'est pas le pire jeu de l'année. On n'est pas le pire jeu de l'année. Bah dis donc, ça devait être une sacrée bouse. Ça devait être une sacrée bouse, l'autre jeu. Ah, terrible. Non, on rigole, mais là, en attendant, ces jeux-là, ils m'ont rien rapporté, quoi. Ces jeux-là m'ont coûté plus cher qu'ils m'ont rapporté. C'est terrible. Mais même Sonic en vrai, il est pas rentable. À l'aide. Pip Quest, moins 580 000. Ok, Slam, moins 5 millions. Au secours! À l'aide! Eh mais c'est terrible, Sonic, ça m'aura rien rapporté, c'est ouf!
Ah oui, mais c'est sur du long terme, Sanic. Faut juste que ce soit. Ouais, mais en vrai, je pense que. On est en quoi? On est en 88. Ah, 88, normalement, les bornes d'arcade, c'est encore d'actualité. C'est pas censé mourir tout de suite. Normalement, ils ont encore un petit peu de vie devant eux. Hein. Bon. On va laisser faire comme ça pour le moment. De toute façon, il faut que je publie là. Je suis en train de perdre de l'argent. Du coup. On va terminer le développement de Mlike 6. Ok. Et donc on a un nouveau jeu genre action. Attends, pour combien de temps encore? 55 semaines. Mais j'ai pas le moteur d'action. J'ai 2 mois pour sortir le moteur d'action et développer et lancer le développement d'un jeu. Putain, ici j'ai plus rien. Putain, et quel con! J'ai oublié de lancer la prod. Non, c'est bon, il va être rentable. Ouh! Eh merde! Trop tard. Ouais, ça va un peu vite. Ça va un petit peu vite. Faut que je réfléchisse plus. Enfin, faut que. Limite même que je remette le jeu en mode de. Parce que les choses vont un petit peu vite pour moi en fait là. Ah, et eh ben de toute façon, il est l'heure pour moi de mettre fin à cette session de tournage. Donc, on va s'arrêter là. Ça fait. En vrai, ça fait quoi? Ça fait 4 heures que je tourne? Truc comme ça? Donc voilà. Bon, Doom Legacy, c'est bon, hein, ça se vend. C'est pas trop le problème. Est-ce que. Hop! Du coup, je vais me mettre sur la sauvegarde 3, comme ça je saurai où c'est. Et sur ce, eh ben, je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Tout simplement. Allez. Non, s'il te plaît, il est où? Eh oh, OBS, s'il te plaît. Bien, on est de retour. J'avais fait une connerie, j'avais oublié de lancer la production de Sonic. Résultat, j'ai perdu combien de semaines là? 5 semaines, ça. Hein? Non, plus que ça, 67 semaines de production, j'ai raté. Bon, c'est pas grave. Le jeu? Ouais, bon, je sais pas pourquoi. Moi aussi, je sais pas pourquoi. Quand j'ai appuyé sur espace, ça n'a. Bon, c'est pas grave. On a merdé sur Sonic. C'est pas grave. On va quand même essayer de rattraper le truc. Mais j'ai perdu beaucoup, beaucoup trop de temps là-dessus. Ah, beaucoup trop d'argent là-dessus. Ça va, ça va, ça va, ça remonte. Bon. C'est pas grave. Alors, on a, je suis en train de gaspiller des semaines à rien. On va faire donc un jeu action piratage. On va faire un pirate des Caraïbes. On va faire un jeu pirate des Caraïbes.
Moteur d'action, est-ce que je l'ai? J'ai le moteur d'action et c'est le plus évolué que j'ai. Du coup, c'est parti. On va faire ça. Donc, on va faire un nouveau jeu normal. Hein. On va faire pas. Ouais, on va faire un jeu normal. Du coup, un jeu A. Oui, c'est ça. Il me faut les jeux A. Du coup, on a dit action. Alors, à Pirates des Caraïbes. Aventure. Hein. Donc, on a piratage. Ça aurait été un autre genre qu'action. J'aurais fait Bitburner, bien évidemment. Meilleur jeu de tous les temps. piratage, et puis bah, on va trouver bateau, certainement. J'ai pas développé le thème bateau. Chasseur de trésors. Voilà, très bien ça. Très très bien. Pour le moment, on a toujours que les jeux standards. Vivement qu'on arrive à les années 90, qu'on ait Internet. Parce que je vous avouerai que il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas. Je vais regarder pour les dev kits. Évidemment, on est en 88, hein. Sega et la NES. Une NES, j'en ai une ici, une NES, qui est dans un carton. Faudrait vraiment que je puisse y rejouer. Mais j'ai très peu de jeux. J'ai très très peu de jeux, malheureusement, sur ma Nintendo NES. Mais c'est une console que je kiffais. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, c'est ça que je voulais acheter. Voilà. C'est mieux. Protection contre la copie. Tac-tac-tac. On n'a pas d'indication. Un pirate des Caraïbes. L'histoire est importante. La conception des personnages, hein, c'est. On parle de Jack Sparrow quand même. On va réduire le reste. Il manque 2 points. On va faire ça comme ça. Pour les joueurs, non, pas de. Pirates des Caraïbes, c'est quand même assez raide, hein. En vrai, même pour du Disney, Pirates des Caraïbes, c'est. Enfin, c'est très très adulte, hein, comme film, hein. Petite anecdote, ma mère flippe devant le capitaine du Hollandais volant. Oh merde! Ça me revient plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un pirate des Caraïbes. Mais vous voyez le capitaine Poulpe là. Hein, Jones, c'est ça? C'est Jones, je crois, le capitaine Jones. Il me semble. Elle flippe devant lui. Elle le trouve horrible. Je trouve ça très drôle. Les graphismes, hein, quand même. Le son, ouais. Et puis on va baisser la technique. Tant pis. On va baisser la technique et on va mettre un peu plus au gameplay, graphisme et tout ça. Allez, c'est parti. Let's go. On met tout. Allez. Oh. Non, en vrai, on va laisser 25 partout. On va laisser le même temps partout.
Allez, full budget. Alors, allez, ça va, c'est pas si cher que ça. Est-ce qu'on peut acheter la licence Je suis bien sûr, c'est pas les vrais noms. Je sais pas si on a un Pirates des Caraïbes. Ah non, mais de toute façon, on est trop tôt. Si ça respecte les années, de toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour Pirates des Caraïbes. On a passé en 88. Donc, de toute façon, oui, voilà, c'est même pas la peine de chercher en vrai. Mais on va faire un. Je l'écris en français parce que je sais plus comment on écrit Carbad Caraïbes en anglais. Carbadian, un truc comme ça, mais. J'ai un doute sur l'orthographe. Donc, pirate Caraïbes. Il me semble. Voilà, ok. Donc là, on est ok. Mais le développement coûte peu cher, je trouve. Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la prod. On n'en est pas encore. Bon, bah, écoutez, si c'est. Let's go, hein. Ah merde. C'est quoi le problème? Ah, la Qatari, elle est dépassée. Ah ouais, non, mon moteur est trop élevé pour les consoles sur lesquelles je développe. Ouais, j'ai deux niveau 3 et niveau console, je suis niveau 2. Donc ces trois consoles-là, va falloir que malheureusement qu'on passe sur des consoles qui ont une technologie un peu plus élevée. Bon. Ben c'est parti. Ça, c'est parti. On a ici l'amélioration du gameplay. On a 7 mois. On va essayer de. Ouais, de toute façon. Il sortira quand il sera prêt. Et on aura la hype plus tard. Mais il faut vraiment surveiller les 30 mois qui nous restent. Les 30 semaines qui nous restent pour pouvoir développer. Toujours pas la salle. Ici. C'est trop tôt pour faire une récom. C'est vrai qu'on avait Doom Life 6. J'avais pas vu Doom Like 6 qu'il a rapporté. Ah oui, on a 100 millions. En vrai, on a 100 millions. Donc, ce qu'on va faire. On va améliorer les quelques-uns de nos studios. On va au moins les passer tous 3 étoiles. Et on va voir si on peut en passer 4 étoiles. Non, 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 non. 50 millions, c'est beaucoup trop cher. Je vais me retrouver à 8 millions. Mais par contre, avec 58 millions, je peux peut-être acheter un autre concurrent.
Ouais, c'est bon, il va me rester 13 millions. Ok. Allez. C'est bien, on progresse à ce niveau-là. Et Doomslike est en train de mourir, on va faire un Doomslike dès que possible. Il me reste 14 semaines. Continue le développement. Vous avez des bugs à corriger les mecs. On va rater l'hype. Jamais, hein. C'est au sixième mois, hein. Donc là c'est dans 2 semaines. Du coup, on va faire plusieurs choses. Première chose qu'on va faire, c'est tout ce qui est les. On a Gauthier, je crois. On a Gauthier à sortir. On a même deux Gauthier à sortir. Donc déjà, on a les Gauthier à sortir. Ouais. Du coup, il sort dans 2 semaines. Sauf que Doomline Stack, je l'ai pas sorti encore en version classique. Donc, je vais d'abord le sortir en version classique et après, je le sortirai en GOTY. Dans 2 semaines aussi. Donc Doomlight 5 classique. Ok. On a d'autres classiques à sortir. On a beaucoup de classiques à sortir en vrai. Donc on va les sortir dans l'ordre. F-Soccer. Ok, Islam, qui était un jeu qu'on avait. Ouais, voilà, 44%. Oh, tant pis, on va le faire quand même. On va le faire quand même, ce sera fait. Ok. Il me faut encore deux jeux. En vrai, je vais faire d'autres salles. Paradroid, ouais, qui était aussi un jeu qu'on a. Merde, qui est con, mais. Falloir que je corrige 2-3 trucs.
Comment je peux modifier mes ventes actuelles? Non, ça c'est mes publications. Zut, il y a, j'ai oublié de cocher la case pour la vente. Oh. C'est ça. C'est ici. Donc. Bon, je sais pas pourquoi il a pas. Ok. C'est bon. Là maintenant, c'est bon. Donc on a été à Paradroid. Du coup, hop. Pipe Quest. Et puis on va faire d'autres salles de prod hein, de toute façon hein, parce qu'il va falloir du coup il me manque un dernier grand classique SQL donc ça c'est ok 2 semaines bon là on va avoir beaucoup de gens en vente mais bon la prod est assurée. Il va me falloir donc une autre salle de production. Salle. Et voilà. Du coup. Donc dans les grands classiques, j'ai plus rien. Doom Like Gotti va. Voilà, c'est parce qu'il n'y a rien qui arrive. Mais. Pareil pour mon prix de borne d'arcade là. Ouais, non, c'est ça, c'est ok. Donc ça, on est ok. Bon, bah, Sonic, il est en train de dégraisser. Et du coup, bah, enfin, de. Oui, voilà. Mais du coup, bah, j'ai complètement foiré la vente de Sonic. Bon, c'est tout, hein, c'est des choses qui arrivent. Faut que je pense à y regarder régulièrement. Est-ce qu'on retente quand même? On peut, hein. On peut se le permettre. Quelques petits jeux qui paraîtraient pas trop mal. Des double A, honnêtement, ça me paraît. Ça me paraît trop tôt pour du double A.
PubQuest, ça a été terrible, hein, PubQuest et la Recom va être terrible aussi. Je crois que c'était celui-là hein, qui était clairement. Qui a été classifié plus 18. Voilà quoi. Du coup. Allez. Pas content, mais on va faire comme ça quand même. Du coup, on va la vendre comme ça. Dans 2 semaines aussi. Ah oui, mais eh putain, je vais pas pouvoir faire de hype sur tout là. Oh merde. Oh le navet. C'est encore un jeu de cul. On va le surveiller. Bon. Moi, je suis ennuyé, c'est que ça. Mais j'aurai la hype de toute façon. J'aurai la hype dans tous les cadres. Ah oui, mais il faut que, faut qu'il sorte dans moins de 6 semaines. Donc, faut qu'il termine les bugs. Genre là maintenant, quoi. Faut qu'il n'y ait plus de bugs là maintenant, quoi. C'est bon, on a. Alors, on a notre jeu, hein, Pirates des Caraïbes, ça c'est obligatoire. On a le dernier jeu, on a Archie machin là, faut qu'on le hype. Et il va falloir, bah, le Gotiers, hein. Le Gotti, hein, faut qu'on le hype. Et le reste, on verra bien. Hein. Attends, on n'a pas de hype sur le reste, c'est chiant. 4 bugs. Corrigez-vous ça vite. Top, c'est bon. On vend. Il sort right now. Ok, 80%. Ouais, j'ai peut-être été un peu gourmand à tout vouloir vendre d'un seul coup, alors que je peux faire de la hype que sur 3 jeux simultanément. J'ai peut-être été un peu gourmand. Bah, il est où? Pierre des Caraïbes. Allez, on va voir ça donne tout. Bon, les offres d'édition, c'est clairement pas rentable. Bah après, Mericom, elles sont rentables. Enfin, elles sont un poil rentables, quoi. C'est pas la folie, mais c'est toujours ça de prix. Ok, Sanic c'est mort avec 8 millions. Et ben le prochain jeu qu'on fera. Ah non, il faut que je fasse un Doom... le Doom 7. Il faut que je fasse le Doom 7. Bon, faudra que je fasse Doom 7. Prison Énigme. Prison Énigme. Et j'ai pas de moteur d'énigme, je crois. Non.
pas de moteur d'énigme. Donc on va faire le l'énigme. Alors vous, pour le moment, au mieux de rien faire. Pour le moment, on va partir sur cette base-là. Ça n'a rien rapporté. Bon, ça a rien, ça a rapporté quand même. Donc, on s'en fiche. Oula! Ah non, on n'a pas le jeu de l'année. C'est pas un Gauthier's, mais il nous a rapporté pas mal de fans, mine de rien, Pirates des Caraïbes. En même temps, c'est Pirates des Caraïbes, quoi. Ok, 50 millions. Doom Like 8, hein. Doom Like 6 qui s'arrête. Bon. Oh, ça y est, on a la LAN. On va avoir Internet. L'anti-triche a été débloquée.